au-delà des mondes, des partis et des religions. Que l'on se sente ou non appartenir à cet univers, il nous semble néanmoins important de savoir dans quel monde on vit et avec qui. Qui manipule qui et dans quel but? Question de lucidité sans doute. Aussi, nous remercions tous les opposants au nouvel ordre mondial, tous ces éminents spécialistes qui nous ont permis de porter un regard plus juste sur cette société civilisée, basée sur le partage et l'équité, peuplée d'êtres libres, éveillés et conscients. Grâce à eux, nous avons appris à connaître les détenteurs du vrai pouvoir et leurs buts inavoués. Nous avons découvert l'existence des Illuminati et leurs sombres desseins. Ils nous ont enseigné les mécanismes mortifères de la création monétaire. Ils nous ont montré comment ces félons se sont appropriés au cours des siècles le crédit des nations, avec la bénédiction de la classe dirigeante inféodée et l'appui des médias de masse qu'ils contrôlent dans l'ombre. Comment leurs agents se sont infiltrés aux postes clés des gouvernements et des institutions internationales, leur permettant de s'approprier chaque jour plus de richesses, plus de pouvoir. Comment une petite élite composée de quelques familles oligarchiques très puissantes et déjà très riches a pu bâtir au fil des générations des fortunes encore plus colossales qui dépassent l'entendement. Comment, grâce au contrôle de la création monétaire et à l'usure, ces familles ont réussi à imposer leur dictature financière au reste du monde, asservissant les peuples par la dette à leur seul profit. Comment les cartels bancaires associés au complexe militaro-industriel manipulent l'opinion au travers des gouvernements fantoches et des institutions internationales qu'ils mettent en place via leurs sociétés secrètes et leurs puissants groupes de réflexion et d'influence. Comment ces assassins respectables font les lois, achètent les gouvernements, manipulent les contraires, planifient et financent les guerres, contrôlent les médias, mettent en place le chaos et dominent le monde. Comment ces âmes très puissantes tiennent cette planète entre leurs griffes, au nom de Lucifer, leur dieu et maître. Ces opposants avisés font un travail d'information utile et courageux. Ils luttent activement pour éclairer leurs semblables au sujet de l'avènement inéluctable et programmé sur cette Terre, d'un monde unipolaire, dominé par un gouvernement mondial entre les mains d'une petite élite assoiffée de pouvoir, de larmes et de sang. Nous nous associons à leur combat contre l'ignorance et les ténèbres. Nous dénonçons avec eux l'asservissement du plus grand nombre par le plus petit nombre, la soumission des peuples de ce monde par une classe de rentiers apatrides sans scrupules. Cependant, nous ne partageons pas leurs convictions, ni leur espoir, qui consiste à opposer un dieu à un autre dieu, leur vrai dieu, bon et gentil, contre un faux dieu, méchant et satanique. Ils appartiennent les uns et les autres au même monde. Ils font partie du même système de croyances, chacun défendant son dieu contre celui de l'adversaire. Tous se réclament d'un dogme au service de leur dépendance à un Père céleste rédempteur, qu'il soit de lumière ou de ténèbres. Plutôt que de se prendre en charge, ils attendent d'être sauvés. Aucun ne s'est affranchi de ses croyances. Ils confondent spiritualité et religion. Ils se réclament avant tout de leur propre église. Ils restent enchaînés aux valeurs de leur confession, qu'ils placent au-dessus de toutes les autres. Seul leur bon Messie, véritable Dieu parmi les dieux, sauveur des hommes et des nations, aura raison de Lucifer et de ses émissaires qui œuvrent dans l'ombre pour l'avènement du nouvel ordre mondial. En réalité, il nous semble que ce monde ne sera jamais dirigé par les esprits les plus justes et les plus éclairés. Ceux-là, une fois qu'ils ont pris conscience d'eux-mêmes et de la raison de leur présence ici-bas, comprennent que le salut est ailleurs. À mesure que les temps avancent et se répètent, les esprits les plus libres, détachés de toute religion, se font de plus en plus rares. Ne reste que les âmes accrochées à leurs chaînes, comme les arapèdes à leurs rochers. Il faut sans doute avoir parcouru plusieurs existences pour le savoir. Ce monde appartient aux âmes, plus particulièrement aux âmes des ténèbres, qui agissent au travers une poignée de familles oligarchiques sans scrupules. Leur pouvoir est considérable. Elles tirent leur puissance de l'argent et de l'ignorance des peuples, à qui elles l'ont extorqué par la ruse et la félonie, avec la bénédiction des gouvernements à la solde. Ces âmes se combattent entre elles pour le pouvoir et le contrôle des peuples, dans un monde dominé par le mensonge. La plupart choisissent délibérément de rester aveugles et ignorants. C'est bien plus confortable. À croire que la lumière est plus terrifiante que les ténèbres. Elle nous oblige à être nous-mêmes. C'est le propre de ce temps, la loi de cet âge.
C'est le lieu de l'éternel recommencement. C'est pourquoi il ne faut pas s'y attarder. Comprendre ce qu'on fait là et partir. Comprendre le jeu et sortir de la matrice pour ne plus y revenir. Voilà ce qui importe. Ce monde, quel que soit le régime en place, est une catastrophe. C'est un monde de dupes, un monde de cons, peuplé d'une poignée de vermine malfaisante qui manipule des milliards d'endormis à leur seul profit. Il faut comprendre qu'il est vain de tenter de le changer. Nos seules armes, l'éveil et la lucidité. La solution est en nous-mêmes, nulle part ailleurs. En attendant, portez-vous bien et haut les verts.